J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma vidéo de présentation au Knicks Face Award. Donc, c'était un thème libre. J'ai choisi de réaliser deux looks. Donc, je me suis inspirée de la Reine des Fées de Shadowhunter. Pour ceux qui connaissent la série, vous avez dû reconnaître l'intro de la vidéo. Donc, bien entendu, c'est une inspiration. J'ai pas reproduit des looks qu'elle a dans la série, mais voilà, j'ai plus fait ce qu'elle m'évoquait. Parce que sinon, à part avoir des oreilles pointues, son diadème de reine, sa robe, elle a juste des lianes dorées dessinées autour du visage. Donc, je me suis inspirée surtout de ça dans le look soft. Parce que, en fait, quand elle est genre dans la vraie vie camouflée, elle a toujours ses lianes, elle est habillée normalement, mais elle a toujours ses lianes, donc ça m'a fait rire. Donc voilà, je me suis inspirée de ça. Et pour le look dans la forêt, je me suis inspirée du film Annihilation. Donc j'ai fait un mélange un peu des deux, vu que comme je vous ai dit, quand elle est dans la forêt, il n'y a pas de look particulier. C'était un peu compliqué pour moi de filmer aussi, par exemple, quand j'ai fait les prothèses d'oreilles avec le latex, ou bien quand j'ai fait la fausse peau, ou même quand j'ai préparé les tutus, etc. Mais j'ai quand même essayé de vous faire des petites vidéos pour vous expliquer ce que je faisais. Je suis là en train de mettre morceau par morceau mes bouts de tulle. Grosse ambiance. Petit cœur juste à côté. Un chaton que t'es beau, mon amour. Je suis vraiment trop contente d'avoir fait ma première prothèse. Bon, elle paye pas de mine, mais pantée. Le truc est génial. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la pâte à modeler. Voilà. Et j'ai mis le latex liquide avec ce petit pic-pic. Voilà. Et j'ai mis plusieurs couches. Et puis après, j'ai mis de la poudre libre. Pour que le latex en fait arrête de coller, que je puisse le toucher, le manipuler. Voilà. Alors là, j'ai fait de la fausse peau. J'ai trouvé un tuto sur internet qui montre comment on peut en faire avec de la vaseline et de la farine. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai préparé des petits bouts à l'avance pour pouvoir faire mes espèces de lianes. Voilà pour mon look soft. Et je vous laisse avec les tutos des looks. Alors, je commence par étaler ma fausse peau. Donc, j'avais déjà commencé avec un premier œil. C'est un peu compliqué là pour moi de filmer toute cette partie-là. Donc, j'ai fait un peu comme j'ai pu. Comme vous verrez par la suite, le décor est différent. Pour le deuxième look. Donc, j'ai voulu en fait me recréer des lianes, si on peut dire. Enfin, je me suis inspirée de la fée. Et comme elle a des lianes tout autour du visage, moi, je n'avais pas envie de faire de juste dessiner des petites lianes autour de mon visage. Donc, je me suis dit que je voulais que ça ait un rendu plus trois dimensions façon. Donc, c'est ce que j'ai fait avec la fausse peau, que je poudre ensuite. Je recouvre avec mon fond de teint, donc c'est le LA Girl que j'ai chopé chez MB Beauty. J'aimais bien l'idée du pas de sourcils, je trouve que c'est sympa. Enfin, je sais pas, je trouve que ça change, que ça fait vraiment un look tout de suite hyper différent. Donc, j'highlight avec un concealer qui est un peu plus clair que ma carnation. Ensuite, je viens poudrer le tout. Je commence à tracer mes lianes, enfin du coup des traits. Enfin, je ne sais pas, c'est des espèces de... Bref, c'est de la végétation, tu vois ce que je veux te dire? Voilà. C'est ce que je fais. Donc avec simplement un petit pic-pic, hein, c'est pic à brochette. Voilà.
Initialement, que j'avais pris parce que je voulais en mettre sur ma couronne de fleurs, et puis les fleurs que j'ai commandées n'étaient pas comme j'avais voulu, donc les pics-pics sont tombés à l'eau. Ensuite, je prends de l'highlighter doré de chez Julicious Cosmetics et je viens en mettre en fait dans les traits pour créer cet effet de végétation qui brille. Voilà, tu vois comment l'expliquer différemment. En même temps, tu vois à la caméra comment ça se passe dans l'espace. Voilà, voilà. Donc, je me baigne dans l'highlight. Hein. Rien de nouveau sous le soleil. Si je vérifie que je brille bien, oui, madame, tu brilles. Voilà. Un peu de bronzer. Un peu de bronzer. Voilà. C'est un bronzer de chez Clean Color que j'aime vachement. Je l'utilise tout le temps. Enfin, je trouve qu'il est vraiment bronzer blush et tout. Et j'aime beaucoup. J'applique ben, la même couleur sur les yeux. C'était juste histoire d'avoir un petit rendu. C'était pas, j'avais pas envie de faire quelque chose de très travaillé au niveau des yeux. Pareil pour le mascara. Enfin, je mets du mascara et pas des faux cils parce que ben, comme je voulais reproduire son look soft dans la vraie vie, je me suis dit bon, je vais pas sortir le faux cils. Donc pareil pour les lèvres, petite couleur nude de tous les jours. Cute, girly, choupinou, tout ça, tout ça. Petit contouring du nez, parce que, alors je sais pas si c'est dans ma tête, mais pour moi, tu vois, les fées, elles ont vraiment le côté petit nez, tout fin, tout ça. Donc, même par exemple, dans le deuxième look, j'ai fait un petit nez encore plus pointu. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, juste un petit mascara, j'ai pas sorti le faux cils. J'intensifie l'highlight puisque j'avais d'abord appliqué de l'highlight liquide, donc là je repasse avec de l'highlight poudre et j'highlight aussi ben, mes sourcils végétation. Voilà. Collage de perruque, donc c'est une perruque Trendy Wigs. D'ailleurs, j'ai un code promo, il sera en barre d'informations et c'est la perruque Sakura. Voilà. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Ensuite, on passe au deuxième look. Alors, comme je vous ai dit dans l'intro, j'ai fait les oreilles avec du latex, avec une forme prédéterminée de pâte à modeler. Donc, je mets le latex à l'intérieur pour que ça puisse bien coller. Et ensuite, je viens mettre du latex tout autour pour que ça puisse coller aussi sur mon oreille. Donc, j'ai pas autant détaillé dans le premier look parce que je savais, enfin, dans le début de la vidéo, parce que je savais qu'il y avait là cette partie-là qui arrivait, qui était plus détaillée, où on voyait mieux, où c'était plus clair et tout. Donc j'en mets bien tout autour, tout en sachant que le latex, ça sèche en étant transparent. Donc voilà, je n'ai pas lésiné. Ensuite, je viens mettre mon petit bout de nez. Je voulais qu'il soit plus pointu, qu'il ait un air genre pas de ce monde, tu vois. Voilà, je voulais qu'il soit différent. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc pareil, la petite forme que j'ai faite, c'était à partir d'un bout de pâte à modeler. Donc voilà. Ensuite, madame, pourquoi? Ah oui, à chaque fois, j'oublie pourquoi. Et c'est simplement parce qu'il fallait effectivement que j'enlève mon collier. Je me dis, mais madame, pourquoi fais-tu du striptease? Mais ce n'est pas du striptease. Voilà. Alors, là, je mets du coton avec du latex. Alors, comme je l'ai dit, je me suis inspirée du film Annihilation qui est sorti. Parce que ben, c'est un espèce de virus, genre qui a muté et tout, mais il est tout choupinou, genre il met des fleurs partout, c'était trop cute. Donc je me suis inspirée de ça pour créer mon look fleuri. Vu que ben, dans Shadowhunter, la reine, quand elle est dans son monde féerique, elle n'a pas des fleurs sur elle, elle a juste genre une couronne et puis une robe de reine. Bon, et puis ses lianes autour de son visage, mais elle n'a pas de plantes sur elle et tout. Et je me suis inspirée du coup de Annihilation. Et c'est d'ailleurs pour ça, comme vous le verrez par la suite, que j'ai pas mis une couleur de végétation, genre j'ai pas mis du vert pour la nature. Parce que ben, dans Annihilation, les modifications font que, je sais pas, parfois il y a des espèces de. Je vais pas dire moisissure parce qu'on sait pas trop ce que c'est, vu que ça amène à des plantes. Mais il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont bleus, il y en a qui sont verts. Enfin voilà. C'est pas des couleurs normales. Voilà. Tu trouves pas des feuilles bleues ou des feuilles, je sais pas, des feuilles jaunes moutarde. Enfin, je sais pas. Voilà. Vous avez compris l'idée. Je me suis inspirée du caractère chelou du film pour faire ma végétation. Voilà.
Donc, je poudre le latex, je sèche celui du visage, du coup, qui n'était pas encore sec. Voilà, voilà, j'en profite. Pour ensuite venir le poudrer. Si vous me voyez rire, c'est normal, c'est parce que il y avait Marjorie dans le salon avec son frère, avec un pote à son frère, donc voilà, qui me regardait et qui, à mon avis, se disait « Mais madame, pourquoi fais-tu ça ?» Loli lol. Donc oui, toujours le même fond de teint que j'utilise parce que je le trouve super sympa. Voilà, donc ben, c'est le même que j'ai mis pour le premier look soft. Hein. Je le trouve très bien, peu importe le type de look qu'on fait. Que ça soit une fée de la forêt de Annihilation, de Shadowhunter, de Mix, de personne de la vraie vie, c'est génial. Ensuite, je viens utiliser la highlight liquide de Julicious, donc qui est rose, celui-ci. Je me suis baignée dedans. Donc oui, comme je vous ai dit, ma végétation n'est pas, n'a pas une couleur de vraie végétation. Mais est-ce réellement grave? Je ne pense pas. Voilà, on est là pour exprimer notre créativité. Donc c'est ce que je fais, j'exprime ma créativité. J'étais très contente de baigner dans la highlight. J'en ai également mis sur mon cou parce que je me suis dit, pourquoi pas? En fait, c'est ça, c'est toujours ça la vraie question. Pourquoi pas? J'en mets également sur mes oreilles parce que je trouvais ça bien. Je sais pas, je trouvais ça sympa l'idée de oh là là, le bout de mes oreilles est rose, c'est trop chouki. Voilà. Ensuite, je prends des encres à lèvres. Donc, j'en ai pris différentes, hein, des violets foncés, violets plus clairs, rose clair, pour faire une espèce de relief dans ma végétation virusée. Voilà, je ne sais pas trop comment ça se dit, mais voilà. Ma fausse végétation qui est en fait un virus de... Je ne sais pas si c'est une mutation génétique, je ne m'en souviens pas, mais vous avez suivi l'idée. Ensuite, je viens coller des vraies plantes. Enfin, des vraies plantes, je ne sais pas, j'ai acheté ça à Cultura, mais l'effet veut que ça soit des espèces de brindilles, voilà. Je colle ensuite mes fleurs. Alors, j'ai mis du coton en dessous parce que, du coup, c'est des fleurs qui avaient des tiges et ça ne tenait pas tout seul comme ça, donc je me suis dit je vais mettre du coton en dessous pour qu'elles aient un truc dans quoi se planter façon en fait, vous voyez, donc voilà. Ensuite je viens bronzer mon visage toujours avec ce bronzer de chez Clean Color, toujours chopé chez MB Beauty, que je surkiffe de fifou, voilà. Et je suis bien contente d'avoir pris cette couleur-là parce que initialement je voulais en prendre un plus clair, enfin qui fasse plus highlight, et je suis très contente d'avoir pris un qui fasse bronzer parce que je l'utilise tout le temps. Ensuite, je continue et qu'est-ce que je fais? Je me baigne dans l'highlight. Il y a un petit moment aussi où je tourne ma tête pour vérifier que je suis bien en train de m'éblouir. Ah, aïe, aïe, oui, oui, ah, attends, attends, tourne un peu la tête. Voilà, madame, c'est oui, oui, on est contente. Donc, j'ai highlighté aussi le bout de mes oreilles, le bout de mon nez. Ensuite, blush, 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 blush. Alors, dans la vraie vie, je ne suis pas très, très blush. Enfin, je ne suis pas plus blush que ça. Mais du coup, là, je me suis dit, c'est vraiment l'occasion d'aller et de se baigner dans le blush. Donc, blush everywhere. Everywhere, blush, 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 blush. Voilà. Ensuite, je continue le processus de l'highlight. Voilà. J'en ai aussi lancé un peu sur moi façon, parce que en fait je voulais pas que ça soit forcément linéaire, la façon dont ça tombait. Petit ombrage, voilà. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, je fais ressortir la clavicule. Voilà, voilà. Bon, de rien. Genre, on a des inside jokes. Anyway. Ensuite, je passe au maquillage des yeux. Donc, ben, vous voyez ce que je fais simplement. Je commençais par mettre du rose, ensuite je mets du violet. Je me suis dit que j'allais faire tout un dégradé. Et voilà. Donc là, c'est du bleu foncé. Ensuite, c'est du bleu clair. Après, il me semble que c'est du vert. Un vert assez lumineux. En dessous, j'ai mis un vert plus foncé
Et je me suis fait des espèces de petits ombrages de larmes façon pour préparer par la suite quand j'allais mettre mes paillettes de fausses larmes. J'ai coiffé mes sourcils vers le haut parce que j'aime bien, simplement j'aime beaucoup comme ça rend, que ce soit pour des looks artistiques ou pas, hein, ben, j'aime bien comme ça rend, parce que ça marque bien la vraie vie aussi pour moi-même de les coiffer comme ça. Donc voilà. Comme vous le savez, j'aime beaucoup les points, donc j'en ai fait. J'en ai fait en bleu, j'en ai fait en jaune. J'ai utilisé des encres à lèvres pour faire tout ça, parce que je n'avais pas ben, de liner de ces couleurs-là. Ensuite, j'ai mis des paillettes vert foncé et j'en ai mis aussi des verts clairs. Mais on ne les voit pas trop, il me semble. Et ensuite, des grosses paillettes qui sont un mélange de doré et de violet pour que ça fasse un rappel avec ben, ma fausse végétation et tout. Étape du faux-cils, donc faux-cils en bas, faux-cils en haut, faux-cils everywhere. J'ai collé ensuite les fleurs sur mon visage. Collage de perruques. Comme je vous ai dit, c'est une trendy wig. Sakura. Séchage de la wig. On sécure la wig. Voilà. Alors, j'aime bien les looks de lèvres avec des espèces de débordements de rouge à lèvres. Je trouve ça sympa. Donc là, c'est un baume à lèvres Adopt. Et du coup, je l'estompe en dehors. Là, c'est une encre à lèvres Julicious. Je crois que c'est From B qu'elle s'appelle. Ensuite, je vais venir mettre une encre à lèvres Fuchsia. Donc, c'est une Cosmetics. Parce que je voulais faire un dégradé. Voilà, je ne voulais pas que ça fasse non plus enfin, un look dark fairy. Je ne voulais pas cet effet-là. Donc voilà, petit dégradé. Et par la suite, je mets une encre à lèvres qui est rose gold, toujours de Es Cosmetics, pour intensifier le côté lumineux. Highlight du Cupid's Bow, j'allais dire. Bref, vous voyez l'endroit dont je parle. Et pour intensifier l'highlight, avec un eyeliner blanc, je viens faire des petits traits. Donc ça donne un look un peu animé, mais j'aime bien le rendu avec ben, le reste, avec le reste simplement. J'applique du gloss sur mon œil. Voilà, parce que je trouve que ça fait cute quand on a du gloss sur l'œil. Et ben, dans Annihilation, même si c'est un virus, même si c'est un truc dangereux, ça a quand même un côté très très cute. Donc c'est ce que je voulais reproduire. Et puis beaucoup de gloss sur la bouche. Donc là, je me suis changée et je mets de l'highlight sur mes doigts. Donc voilà les amis, j'espère que ces petits tutos vous auront plu et ben, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout ça, si je suis retenue. Gros bisous, bye bye!